pas l'hiver. J'aime pas les temps humides. Non, bon, ça a l'air normal. On y va, on y croit, la 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 la. Non, j'espère que le pack de son il fait pas un giga là, le pack d'audio. Quoi que tu me diras, c'est un énorme jeu, il doit faire un giga. Oh là là. C'est le meilleur démarrage de stream ever que j'ai fait. Ok, ça s'est installé. Maintenant à toi. 10 mégas. Dis non, il est pas dans le jeu. 10 mégas. Ah non, c'est bon, c'est des clés d'activation, je cherche pas. Un couteau qui fait 10 mégas et une mission qui fait 10 mégas, c'est. Voilà. 300 mégas. Le pack Cobra du désert. Ça va aller vite. Oui, c'est du 21 sur 20, de quoi le début de mon stream? Ah oui, carrément. Ah, je vous avoue, c'est chiant d'avoir des petites connexions. Ça prend 3 plombes à télécharger. Et le pack audio, il fait 600 mégas. Oh là là. Ouais, c'est vraiment pour alléger l'installeur. C'est vraiment, vraiment pour alléger l'installeur. Moi, avec cette humidité là en Égypte, ça va me faire du bien. Bon, alors. Mais il faut que je relance le jeu maintenant. Oh là là. On va y arriver. Ça y est, on peut officiellement démarrer ce stream. J'espère que mon PC va tenir parce qu'il m'a montré des petites fatigues hier. J'étais pas content de lui. Faut que j'arrête de faire ça avec le nez. Mais ça me gêne. Inspiré d'événements et de personnages historiques réels, cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe de multiples. J'ai pas eu le temps de lire. Salut Yaga! Psychédélique, bienvenue dans Assassin's Creed Origins. Ah ouais, par contre, ouais, j'ai joué 15 heures à Mario, du coup tous les boutons sont inversés. A et B c'est inversé, Y, X c'est inversé. Contenu bonus débloqué, 3 points d'âge, j'ai pas eu le temps de dire. Quoi? Ah oui, j'ai eu peur. Ouais, X pour continuer. Déplacer la zone à faire. Oui, non, mais c'est bon, c'est une télé. Magasin, on s'en fout. Option, on s'en fout, non? On va faire vite fait un tour dans les options. Luminosité, étalonnage écran, on s'en fout. Gameplay. Ah oui, juste voir s'il y a les sous-titres. Dégâts de combat. Ouais, on va les activer. L'effet de sang, bah évidemment, l'effet de sang qu'on va les activer. L'aide à la visée partielle. Mode photo, oui. Il y a un mode photo. Oh. Je vais essayer de pas trop passer de temps dans le mode photo, hein, promis. Boost des dialogues.
Ah voilà, sous-titres, oui, ok, donc c'est bon. Sous-titres, nom du locuteur. Ouais, non, c'est pas la peine. Arrière-plan des sous-titres? Quoi? Que ouais. On va tout mettre. Commande, il y a trop de commandes, on verra sur place. Allez, on joue, on en a marre. Nouvelle partie. Facile, j'ai envie de suivre le récit sans peine. Rien de trop ardu, merci. Il est possible de modifier ça? Normal. Normal? Ouais, allez, normal. Donc, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette aventure Assassin's Creed Origins. Je suis psychédélique, je suis un ultra fan d'Assassin's Creed. Et pourtant, j'avais détesté le tout premier, j'avais pas réussi à le finir à l'époque, puisque c'était trop répétitif, trop chiant, trop casse-couille. Et je suis vraiment tombé amoureux d'Assassin's Creed avec le 2, où ils ont corrigé vraiment tous les défauts et où l'aventure est vraiment partie pour ad vitam aeternam. Du coup, après, j'avais refait le 1. J'avais pas aimé le 3. Pas à cause du jeu en lui-même ni du héros, mais à cause des problèmes techniques qu'il avait engendrés, qui est vraiment vraiment catastrophique. Mon préféré restera le 4. C'est là où j'ai vraiment pris le plus mon pied, où je me suis le plus adoré. Par contre, à l'époque, je pouvais pas enregistrer, donc j'ai aucun souvenir en vidéo, ce qui est dommage. C'était le meilleur scénario, le meilleur graphiquement, le meilleur gameplay techniquement. Unity, le scénario était en mousse. Mais sur un timbre-poste, le héros avait le charisme d'une betterave. Mais alors se promener dans le Paris révolutionnaire, c'était juste épique. C'était vraiment épique, épique, épique. Juste pour la promenade dans Paris, c'était juste épique. Syndicate m'a un peu réconcilié avec le problème qu'il y a eu sur Unity. En proposant des héros un peu plus charismatiques et un Londres bien vénère. Et j'avais kiffé sur Assassin's Creed 2 et 3 le mode multi, le mode cache-cache multi là qui était juste somptueux, je kiffais ça. Mais malheureusement avec les suivants ils ont complètement cassé la mécanique de jeu. Et après le multi a totalement disparu. J'aurais kifferé un retour du multi d'Assassin's Creed 2, Brotherhood. C'était vraiment le meilleur, c'était vraiment la claque. Donc voilà, j'ai fait un tour rapide des Assassin's Creed. Et mine de rien, les petits Assassin's, la trilogie d'Assassin's Creed en 2D là qui est sortie. Les Chronicles, je crois que ça s'appelle. Avec Russie, Chine et Inde. C'est bien, 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 bien. Bien trippant. Donc n'hésitez pas à me dire, évidemment, comme d'habitude, le son de ma voix, le son du jeu. Par contre, pour le nez, je suis désolé, je commence à m'enrhumer. C'est toi le Medjay de Siwa. Au casque, c'est juste je croyais pénible. Que les Medjay devaient protéger. Le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Et au casque, un mec qui fait. Tout sans cesse, c'est super. Je sais lire mon propre nom, Nek. Aïe, mais il est taré. On te trouvera. On te trouvera. Dans ton sommeil. Oh, carrément. Pourquoi pas? Dans mon oui, sommeil. Mon... Je ne dors okay. jamais. Ouais. J'attends. Oh, tu vas pas avec elle? Moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous. Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là. Ah, ça c'est du meurtre. Pathos, garde du corps de Rudjek. Bon, j'imagine qu'on va commencer là. On tu va as commencer. Tué mon maître, tu m'as laissé pour mort. Tu as eu tort. Ton oh, ça fait gladiateur. Il m'appartient. J'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Oh. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Bloqué en appuyer ou maintenez LB. D'accord. RB pour une attaque légère. Là, bonjour! Ah, ah, mais ils ont carrément revu le système de combat, c'est ouf! Ah, ouais, carrément, ils sont partis en mode RPG, quoi! C'est excellent! Ils sont partis en mode RPG, quoi! C'est excellent! Bon, j'imagine que l'autre, c'est lourd. Oh putain, c'est le même contrôle que Elex! Et on doit pouvoir faire des combos?
Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'étais en train de m'amuser déjà. Ils ont changé le système de combat, Yannick. Ils sont partis en mode Elex, en mode RPG. Oh la grosse surprise. Grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Je fais 1m60 ou il fait 2m80? Wouhou! C'est pas une arme brisée qui te sauvera. Bon, est-ce qu'on peut faire des combos? Cet endroit servira de tombe à l'un de nous deux. Ce sera toi. Faisons une trêve. Ce n'est pas toi que j'ai juré de tuer. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Vas-y, attaque. Par contre, c'est beaucoup plus fluide que Elex, hein, dans le mouvement des combats. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je te chatouille les couilles? Ah, R. Ah, ok. Faut que je me mette en mode verrouillé. RT, perce, bouclier. D'accord, ça perce le bouclier. Ah, ok. Oh, mais c'est énormissime, c'est génial. Ouh là là. Donc ça, j'imagine que ça va être son perce-bouclier à lui. Ah, X pour esquiver, ok. Oh, c'est hyper dynamique le système de combat. Oh, le combat est hyper dynamique, c'est excellent. Oh, ça a rien à voir avec les anciens Assassin's Creed. Oh, c'est énorme. Ah, ils ont révolutionné le système de combat. Ils ont révolutionné le système de combat des Assassin's Creed, quoi. Lol, c'est un Zelda-like. C'est ça, ouais, ouais, ça ressemble aussi à un Zelda-like, ouais, exactement. Je peux récupérer ses chaussures? Mec, aucune issue. C'est quoi cette boule à poire? Massue lourde, ah, ok. Non mais c'est un bœuf le mec, il est pas humain. Aucune prise. Je dois trouver un chemin vers une autre salle. Ok. Donc ça c'est le héros. Bayek. Bon, il a un vendeur de grec frites, salade tomate oignon. Mais sauce samouraï, ce qui est pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Bon. Je peux escalader parois, à ton avis. Maintenez haut pour utiliser l'impulsion de l'animus et trouver des objets cachés. Carrément. L'impulsion de l'animus. Encore. Bon, y a pas d'objet caché. Tu vois un objet caché? Ah. Les scarabées viennent sûrement de quelque part. Ça va, c'est du polystyrène. Je suis pas fan du design du héros. Bah après c'est un égyptien, il est joliment designé pour un égyptien. Prendre une torche maintenant. Sauter par-dessus. Ok. Sauter par-dessus. Starsky et Hutch, ta-la-la-la-la-la. Cet endroit a dû être construit il y a plusieurs siècles. Maintenant, l'action pour trouver des objets cachés. Je peux faire ça tous les 10 mètres. Hein. Hop là. Ah, il y a quelque chose là. Bonjour. Ouah, 3 pièces. Mais il y en a des richesses là dans le coin.
tout ça, tu peux pas ramasser une richesse? T'as ramassé 3 pièces? Tu peux pas juste ramasser 3 pièces? Dans tout le bazar, il a ramassé 3 pièces? Pardonne-moi, grand. 3 pièces et un tampax. J'ai besoin de ça. Je suis sûr qu'une assiette ici a assez de valeur pour finir le jeu. 6 pièces. Wouhou. Il a l'accent du genre bonjour messieurs. Non, il a pas, c'est dommage. Il aurait dû pousser le vis à fond. Bonjour, alors là c'est l'Egypte. J'y vais te venger. Ce serait trop marrant. Salut Kojo. Putain, mais vous allez où? Ah, j'ai l'air d'avoir du... par là. Ah, par là. Je le sens bien par là. Ah, 200 pièces, on est ok. Mais je tourne en rond là. Mais voilà les richesses de dingue. Mais je crois que je suis encore dans la même pièce, non? Ah mais non, je suis encore dans la même pièce. Et je sors par où? Les gars, vous pourriez me proposer une sortie? Ah, peut-être par là. Ah, mais... Oh. Salut, Poirot! Je sais pas comment il fait pour plonger son bras dans un, dans des tubes aussi puissants pour aller chercher 3 pièces au fond, quoi. Enfin, aussi puissant, aussi profond. Une fourrure. Violette. Bon, ça me fait une belle jambe, mais je suis allé par là. Hein? C'est quoi qui a fait chelou? Ah, c'est la toile d'araignée qui fait jouf. Ok. Ah, oh, c'est bien, ça récupère vite, c'est bien. Ah, tu peux mitrailler le bouton quand t'es sur place, c'est magnifique. Ok, mais moi j'aimerais bien savoir si c'est la sortie. Bah, il vient d'où le soleil là? Ah bah voilà, il y a une sortie par là. Ça s'escalade ça ou c'est tout lisse? Il y a l'air d'avoir un système de craft, ouais, tout à fait. Ouais, ça s'escalade pas, c'est tout lisse. Alors comment je peux y aller? Si c'est une sortie, hein, je suis pas sûr. C'est bien, je suis bloqué au début du jeu. Ah là-bas, regarde. Là-bas, ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air beaucoup mieux là-bas. Alors par contre, faut que je monte là-haut. C'est escaladable ça? Non. Ouais bah par le pilier, je suis con, par le pilier qui est cassé là-bas et puis on va revenir en arrière. Un bouton idée fixe pour sortir de là-dedans. Ce tombeau sera votre tombeau.
Ouais, je crois que c'est par là, je crois que c'est par là. Cool. Ah, là-haut, de la lumière. Ça s'escalade, ça? Ok, ça s'escalade. Hop. Ah, mais c'est Horus. Tu veux pas monter? Merci. Ok, ça me fait une belle jambe, je fais quoi après? Ah, ici? Non. Pas là-haut? Ici? Ok. Parois fissurées. Certaines parois endommagées peuvent être brisées pour créer de nouveaux passages. Franchir par. Ah oui, d'accord. J'ai là, les gars. Des soldats. Bien entendu. C'était quoi? Sur lui. À mort. Oh, mais ils ont des vies. Attention. C'est... Ils sont niveau 1. Est-ce que c'est toi? C'est une embuscade. J'avais deviné. Mais... Sérieux, ils sont en slip. Regarde, il a même pas de cheveux sur lui. Ah voilà, au moins celui-là il fait mal. Tu mourras, on va s'en assurer. Oh putain, mais ils me font mal en plus. Oh là, va falloir faire gaffe. Ah ouais, par contre tu perds 10 000 litres de sang. Oh, le système de combat il a l'air d'enfer. Hé, hey, regarde, j'ai ton copain. Oh, c'est terrible, le système de combat est d'enfer. Le concept du bouclier, je suis pas très fan. Je vois que tu bah, c'est bien de pouvoir se protéger. Tu préparais une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs. J'ai lu la dernière BD. Non, j'ai pas lu la dernière BD de Astérix. Faut que j'aille la lire. Il en reste 4. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon ça, qu'est-ce que tu m'as manqué? Où est ta monture? Oh, un chameau! Ah oui, c'est vrai qu'on est en Égypte. Ça se siffle, un chameau? Ah ouais, ça se siffle, ah, un chameau. Te voilà, toi. Allons-y. Bah, où tu vas, je suis là. Comment vont les choses depuis mon départ? La vie est très ouais, en chameau quoi. Terrible, ça fait des traces dans le sable. Aussi lent qu'une tortue. Oui, bah deux secondes, je suis en train de vérifier comme quoi. Oh, ça c'est. Par contre, ouais, ça c'est cool. Ça. C'est hyper responsive. Pas mal le chameau. Parce que les chevaux, c'est un peu plus comme des tanks. Là, le chameau, il est cool. Cannabis. Mais qu'il appelle son chapeau, ok. Ouah, c'est beau! C'est beau! Oh, c'est beau! Deux secondes! Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là! Oh putain, c'est un menu à la Destiny, par contre, je suis moins fan ça, le menu à la Destiny. Je préfère un menu où tu bouges avec la manette. Ok, quête. Quête art. Oh lolo. Ok. Ah, y a les États-Unis, Memphis. C'est le désert. Je peux te dire qu'il y a le désert qui est un peu moins désert. Alors lui, c'est le désert. Ok, carte, quête, équipement.
Ah. J'ai Cobra du désert. Dans cette tenue, vous vous faufilez dans les sables et frapperez aussi vite que le vent. Équipé. Basculer capuche. Ah putain, on peut enlever la capuche et la mettre. Ah, j'ai des trucs de porc-épic si je la... Ok. Monture. Ah, je peux prendre un cheval. Ok. Bouclier de serpent. Ok. Ah, j'ai tout ça comme arme. Le croc. Ah, il est joli celui-là. L'œil d'Apep. C'est un truc pour ramasser les feuilles par terre, c'est dans le parc. 42 dégâts de seconde. 38 dégâts de seconde. 37 dégâts de seconde. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aptitude. Oui, mon cœur. Je peux pas, mon cœur, regarde, je suis en Égypte. Alors attends. Détection d'aigle. Ouais, t'inquiète pas. Ferme la porte, mon cœur. Oui, je vais venir. Ferme la porte et j'arrive. J'arrive, mon cœur. Alors attends, passive. Assassiner un ennemi rapporte des XP bonus. Oh, il y a trop de trucs. Tuer un ennemi d'un tir à la tête rapporte des XP bonus. Permet de placer dans votre inventaire les flèches adverses plantées dans votre bouclier. Oh! Ça, c'est cool, ça. De ce côté, on a quoi? Votre NRT pour charger une attaque puissante. C'est bien aussi, avec chaque point, on a ce qu'on découvre. Votre santé peut se régénérer au combat. Ok, je prends ça. Ça me paraît important. Aube et crépuscule. Maintenez même pour vous asseoir et méditer. Amène le temps à s'écouler plus vite. Oh, super, je m'en fous. Enfin, pour l'instant, je m'en fous. Attaque aérienne. Permet d'effectuer une attaque aérienne depuis les airs. Ok, ça, j'en ai besoin. Détonant. Permet d'évacuer des conducteurs ennemis de leur monture et prendre le contrôle. Ok, on verra ça plus tard. Est-ce que j'ai un point? Est-ce qu'il n'y a pas un point plus important quelque part? Attaque puissante chargée. De ce côté, j'ai quoi? Assassiner un ennemi rapporte plus d'XP. Eh ben, ça me paraît bien. Pour augmenter plus vite. Attends, mon cœur. Comment je fais pour descendre? C'est ça. Ok, il se téléporte. Et comment je fais pour siffler déjà? 2 secondes, je cherche. C'était quoi pour appeler le cheval? Tu peux me rappeler la commande pour appeler le cheval? Ah, il est terrible, on dirait un samouraï comme ça. Comment on appelle le cheval? Je me rappelle plus comment on appelle le cheval! Attends, ça c'est esquivé. Non, c'est pas ça. Putain. Non, ça c'est pour taper, ok. Bon bah on y va à pied, j'arrive. Flèche bas. Ah oui, merci. Ah merci. Merci. Ah bah voilà, c'est un peu plus mieux. D'accord, et ça je peux changer d'arme avec... Ok. C'est dans l'autre sens, Bayek. Pourquoi je peux... Je suis débile, je sais pas comment ça marche un cheval. Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi? Ah, peut-être pour tirer des flèches en arrière. Par contre, c'est hyper fluide, c'est cool. Putain, c'est hyper fluide la conduite, c'est magnifique. Une garnison à Siwa. Par contre, faudrait la laver mon épée et puis. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurais besoin d'aide. Je ferai mon possible. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je alerte au gogol. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des défenses, c'est un cheval mout. C'est ça. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Waouh, c'est beau. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Siwa. Siwa mata uta fata kuta. Ah, s'il voit ça, il va être content. Hein? Oui, il faut que je lave mon épée, on va trouver de l'eau. Oui, les gens qui sont à genoux dans le sable. Attention, les poulets! Vos fermes, vos biens, vos enfants, vos vies elles-mêmes, vous les devez. Ah, ils s'en baillent avec les couilles, les mecs.
Mais fais gaffe aux gens quand même un minimum. Enfin, en même temps, ils ont qu'à traverser sur les passages cloutés. Il y avait des passages cloutés à cette époque. Je peux écraser une femme. Ah oui, je peux écraser les femmes. C'est génial. Ils s'en balèzent. Je suis le Charminator. On peut sprinter le cheval ? Suivre route ? Ah, je peux dire au cheval de suivre la route ? Non. Ok, génial. Oh merde, on peut automatiser le cheval. Il va suivre la route automatiquement. D'accord. En mode voiture de Final Fantasy XV, mais en mieux. Parce que comme ça, ouais, comme ça tu peux. Ah, comme ça tu peux te concentrer à ce qui se passe autour de toi. Putain, c'est vachement bien étudié. Attends. La joie ont vécu un martyr. Ah, allons-y, voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. D'accord. Vas-y, entre. Comment on descend ? Vas-y, attends. Oh, l'ambiance musicale a l'air top. J'ai pas joué au Far Cry, ouais. C'est peut-être une technologie de Far Cry qu'ils ont récupéré des Far Cry. Ferme la porte, mon cœur, avec les croix. Puis bien dans mes pieds. On a vécu une journée difficile. Ça, je n'en ai aucune. Ferme-la bien, ferme-la bien, claque-la bien. Je dois me préparer à l'affronter. Non, non. Rabia. Ma Rabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Regarde, des bleus, des coupures. Je vais bien. C'est qui, c'est ma maman? Allez, allez. Attends. On va te mettre un peu de leçon pour toi. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. C'est ma femme ou ma mère? Elle me lave les pieds. C'est ma mère qui me lavait les pieds, moi. Enfin, ma grand-mère aussi me lavait les pieds. Je pense que ça doit être ma mère. C'est moi ou ton pote, il a la voix d'Ezekiel dans Walking Dead. Il a un bobo ? Ouais, il a un bobo et sa maman, elle s'occupe de lui. Pourquoi il a un bobo ? Bah t'as pas suivi, au début je suis sorti d'une pyramide et je me suis fait attaquer par le méchants. Sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Milunamun. Je sais, mais t'inquiète pas. On va voir, tu verras la suite. Un nouvel arc. Voici. Ah, oh, tiens, on va tirer à l'arc, mon cœur. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. Alors, pour viser, maintenez LT. Ok, ça, je peux le faire. Maintenez RT pour tendre la corde. Ok, ça aussi, je peux le faire. Viser la tête, ça aussi, je peux le faire. Ah ouais, j'adore avec les chiffres qui apparaissent. Je trouve ça trop kiffant. Ça ajoute énormément de feedback. Les chiffres qui apparaissent. L'un des mannequins est plus solide que l'autre. Bien. Hebzefa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats viennent te chercher ! Allez ! Viens, vite ! Personne ne doit quitter cette maison vivant. Ah, bah, carrément. Hebzefa ! Nous venons seulement discuter. Bah, je croyais que tu voulais me tuer. Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là. Le nomarque, si c'est la troisième des marques. Il n'y a même plus de Lacoste, ni de Nike. Mec, c'est un nomarque. Moi, je suis lui, là, avec le bouclier à gauche. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Et ta mère t'en bat la race. Ils sont pas la race de sa mère. Je vais m'en occuper. Attention. Attends. Ah, B pour s'accroupir. Ah putain, faut se... Il s'accroupit plus tout seul. C'est en mode simulation. Oh là là. Et je fais quoi après? X.
Y, ok. Ah, c'est en mode simulation, tu t'accroupis plus automatiquement? Oh la vache! C'est l'occasion de lui faire des poches. Laisse pas les corps où on pourrait les voir. Bah ramasse-les. Salut Max. Ah ouais, il est énormissime. Tu m'étonnes qu'ils ont mis des 21 sur 20 partout, tout autour. Il croit pouvoir nous surprendre. Il va avoir droit à une surprise. Voilà. Je te couvre, mais prudence. C'est quoi pour ramasser le corps déjà? Merde, c'est quoi pour ramasser le corps? Je m'en rappelle plus. Ah, c'est ça, c'est B. Non? 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 Bon, tant pis, laisse-le là. On va faire le tour de la baraque avant de rentrer dedans. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est vachement bien fait. Non, je l'ai pas encore lavé mon épée, faut qu'on trouve de l'eau. D'abord, il faut que je protège ma maison, il y a des méchants qui veulent rentrer. Après, c'est bien, ça reste de l'Assassin's Creed. C'est les ennemis, ils regardent les murs, tu vois. Je trouve ça cool. Salut Valky. Il est monstrueux le Assassin's Creed, ils ont totalement rénové à zéro le système de combat et tout le bazar. Bon après c'est la première mission, tu me diras, donc ils ont fait les choses gentiment. C'était le dernier. Ah c'était le dernier on a eu. Merci Bayek. T'inquiète. Je t'avais dit que ces Neket Yadet se moquent de tout. Il a éternué. Ouais c'est triste. Viens monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay Yasiwa. Je peux me relever? Je me suis cassé une jambe? T'es le meilleur des assassins. Oui, attends, je me suis foulé la cheville. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est là, vous avez un bon son, vous entendez bien? Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité. C'est une pomme d'Éden, c'est pas une arme. Aïe, mais c'est... Enfin, ça marche pas comme ça, la pomme d'Éden. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Medunamun. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Les combats sont bien plus durs quand même, j'ai été choqué. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça change de Black Flag. Hein. Black Flag, t'étais un surhomme. Armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. Ce cadre autour des sous-titres, c'est tout moche. Alors, oui et non. Bénipé pourra te fabriquer quelque chose. Vu que c'est des textes blancs, vu en forte luminosité, des fois c'est pas très lisible. Là, ça permet que ça soit très lisible. Alors, ils auraient pu faire un cadre plus joli. Regarde qui voilà. C'est vrai. C'est nous, ma grande. Mais tu c'est es cool. Superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. C'est nous, ma grande. Les qui c'est nous. Ils ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Oh, ils sont des papouilles, regarde. Il a un aigle. Ou un faucon. Yeah, 1000 XP. Un point d'aptitude. Il se transforme en Super Saiyan à chaque fois qu'il gagne un point d'aptitude, mais c'est super classe. Le faux oracle. Préparation. Pour
Pour le journal des quêtes et sur une quête. Niveau suggéré 2, niveau suggéré 5, d'accord. Terrible. Ah bah, on va suivre celui-là. D'accord, donc ça c'est ce que je dois tuer. Donc, arme à distance. Déblocage à l'aide de l'achat d'aptitude porteur d'arc. Quoi, je peux même pas porter un arc, mais je l'ai porté pendant la mission. C'est où que je peux porter un arc? Non. Mais non, mais c'est pas possible. Porteur d'arc, vous pouvez vous équiper d'un deuxième arc. Ah non, d'un deuxième arc. À quoi ça sert de s'équiper de deux arcs? Tu un tir à la tête rapport des XP bonus. Ok, ça aussi je chante.